Bad Trip, la vidéo, c'est beau. Oh, une murène. Mais oui, il y a des nouveaux épisodes de Koh-Lanta. En plus, c'est un Koh-Lanta un peu spécial puisque c'est Koh-Lanta, l'île au trésor. Oui. Il y a un camion. Ça, c'est nouveau, ça, le camion. J'espère que c'est pas la seule nouveauté, le camion. C'est chaud, hein. Franchement, ça démarre assez chaud. C'est où? C'est dans le Val-de-Marne. J'ai peine à y croire. Ça paraît invraisemblable, j'ai peine à y croire. Tu crois qu'il y croit? Je peine à y croire, mais je comprends pas ce qui s'est passé, ils ont dit quoi? En fait, si tu trouves une flèche, t'as une place dans les poteaux. Ah, direct dès le début! T'as peine à y croire ou pas, toi? J'ai peine à y croire. En accès direct à la finale. Mais ça change quoi dans le jeu, ça? C'est-à-dire que le mec, il va se comporter comme un connard, il va pas aller chasser, il va... Ouais, c'est ça. Il va chier à côté du camp. Je trouve que c'est un des trucs les plus tristes. Il rit parce que je lui ai raconté qu'en chassant... Ah non, j'avais pas dit le début. En chassant les Pokémon, en roller, je suis tombé devant des SDF et ils m'ont aidé à me relever. Et ils trouvent ça triste. Donc je trouve que c'est bien, ça montre que l'humain est toujours bon. Je sais pas comment interpréter ce rire. J'ai faim, putain. Ouais, moi aussi. Bon, effectivement, le japonais a un petit peu de retard, là, quand même. Hein. Mais il a pas pris mon numéro. Il a pas pris mon adresse. Ah bah si. Retournement de situation. Et du fond du cœur, permettez-moi de vous souhaiter bonne chance. Venez avec moi sur la ligne de départ. Je concours Koh-Lanta. Qu'est-ce que vient de manger Monsieur Poulpe? C'est maintenant que l'aventure commence. C'est Poulpe qui m'a dit de répéter ça, mais je l'avais pas entendu, il me paraît qu'elle l'a dit. On va faire d'abord le jeu du foulard. Je vais faire tourner une bouteille. Et celui qui tombe, il me fait un bisou sur la bouche. En fait, ils attrapent des éléments pour leur camp. Et s'ils n'en prennent pas, ils gagnent du temps. Ils ont laissé tomber les fruits, par exemple. Les rouges ont laissé tomber la marmite parce qu'ils n'arrivaient pas à l'enlever. C'est bien, ils ont pris. Ouais, je trouve ça vraiment cool. Ils ont eu 4 kilos. Après, on sait pas dans quel pays. Ils ont 4 kilos, mais ils ne peuvent pas le faire cuire, ils n'ont pas de marmite. Ah ben... Les 10 balises, c'est gigantesque. Bah, c'est pour pas que la bague soit trouvée dès le début. Ben, ça va, t'es pas obligé de crier, quoi. Oui, mais attends, et l'autre balise. Ah, d'accord. Il y a une autre flèche. C'est bon. Il est bon dans plein de choses. Ouais, hein. Je pense qu'il se fait raconter. Jean-Luc, par contre, dans les choix tatouages, il est pas super bon, Jean-Luc. Ni dans le choix du maillot de bain. Mais c'est pas mal idée. Mais du coup, comment est-ce que tu... C'est quand que tu... Parce que... comment... Je suis en train de faire un AVC. Jérémy, on est sur quelqu'un qui est énervant. Qui n'existe pas. Ouais. Qui n'existe pas. On est sur une demande de la production, c'est vous regardez la caméra avec le regard intense. Ah mais on est d'accord que Laurent il n'existe pas non plus. Non, beaucoup trop de pento. Ouais t'as raison, regard intense caméra. Oh là 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 là. Ils ont changé la manière de présenter les candidats. Regard intense. Ah là là, le regard intense de fin de vidéo. Fais-le moi. Personne qui ne sait rien sur le camp, qui C'est hyper bien. Je regardais par l'un des... Ce qui est logique. Elle ne se doute pas qu'elle pourrait être menacée au pire. C'est bien. C'est bien, mais là j'avais vraiment l'impression que tu portais des vêtements d'une grande griffe. On est d'accord qu'on n'a pas envie d'être dans cette discothèque? Non. Si, avec la brune à droite. Car elle est vulgaire comme je l'ai. Ah non. Mais c'est tellement joué! C'est tellement fake. Mais oui! C'est qui met le feu ce soir? Ouais, ouais, ouais! J'ai l'impression que c'est la folie ce soir! J'ai deux personnes. Non, putain, mais c'est. Ah là là, comment elle a joué! C'est vraiment fake! Ah là là!
Mais on est d'accord, là ils ont envoyé qu'un mec avec une caméra. On dirait des portraits, en fait on dirait pas des portraits Koh-Lanta. Non. C'est réalisé, écrit et monté comme des portraits de Secret Story. Oui. En revenant du pipi, elle a trouvé le coco. Oh, ça aurait été plus drôle qu'elle revienne du caca. Bah oui. L'enfer. Je veux surtout pas être directive. Par contre, faudrait pas faire ça. Ça doit être insupportable ce ton. Ouais. Ah non, vous êtes sûr? Parce que si on faisait autrement, ça serait pas mieux? Non? Non? Ouais. Oh là là. Mais elle, c'est Walt Disney, quoi. Ouais, c'est fou. C'est mon premier rêve de série. C'est une meuf qui est contente de tout. Mais même quand elle parle, elle joue, elle fait « Oh là là, il y a la lune !» Mais... Je suis sûr qu'elle lit des shoujo. T'as vu, elle faisait... Avant d'ouvrir. Ouais. Et on a une championne. Hein. Punaise, on est remonté comme des piles. La radio de Minecraft. Elle va être bien, elle va rester longtemps. Elle est magique. Elle va rester longtemps. Princesse. Oh, et oui. Bravo, princesse. Tout ce qu'elle fait, c'est trop. C'est trop. Et mais quand elle doit jouir, ça doit être Magic Land, quoi. À propos d'elle, il disait, je croyais qu'elle était pas toute seule dans sa tête. Je viens de dire ça. Ouais, elle est pas toute seule, hein. Koh-Lanta vient d'expliquer pourquoi au basket on appelle ça faire des paniers. C'est parce qu'au début ça devait être des paniers qui ne devaient pas être trouvés. Et après il y a un mec, 2 ans plus tard, qui a fait « Et si on trouvait le panier, on pourrait récupérer le ballon plus rapidement ?» C'est comme ça qu'ils ont inventé le basket. C'est vrai ? Je sais pas. C'est pas un ballon, c'est une noix de coco, c'est pas la même chose. Mais il a raison. Dit-il de façon énervée. Parce que c'est vrai que quand tu manges un ballon, t'as encore faim après. Ah, ils choisissent les paniers où ils en mettent ? Mais les noix de coco, c'est lourd. Au bout de 15, ouais. 13 noix de coco, c'est beaucoup, monsieur Poul. Sur... Bah, de toute façon, ils ont choisi une femme pour tenir un truc, ouais, je comprends pas quoi. J'ai rien contre les femmes. Beryl. Peut-être aller faire un tour sur Facebook, non? Pour voir où. S'il y a pas une Beryl, c'est un prénom qui est quand même pas très courant. Eh bien, sache que je l'ai trouvé. C'est vrai? Beryl de la Bouchère. De la Bouchère et elle aime les chevaux? Ouais. C'est vrai qu'il y a un mec en face c'est de toi. C'est hyper bizarre comme moment là. Le mec à 2 cm de toi, allez on tire! Allez on tire! C'est hyper chelou comme moment. Mais c'est de la torture! Ah putain, ils perdent! C'est génial! Mais c'est génial! Sur Beryl, mettez-vous sur Beryl. C'est Beryl, elle va se relever, mais c'est du sperme. Je vous demande juste de me suivre, faites-moi confiance. Vu que tout le monde veut me virer, sur ce coup-là, faites-moi confiance. Il est grossier au second degré. Bon, tu crosses comme une pute, hein. il est atypique. Hein. Grossier au second degré. J'arrive même pas à le verbaliser grossier au second degré. En fait, il tourne son poing tellement vite que son poing fait de la fumée. Ah. Ouais. C'est la force centrifuge. C'est l'équipe jaune, les gars. C'est l'équipe jaune, les gars. Je crois en lui. Je suis un compétiteur. Bah lui, il va aller loin. De toute façon, les gens vont le garder pour sa force. Mais il va nous décevoir moralement. Tout est écrit. Putain, il est gaulé, hein. C'est au milieu de ma phrase. Mais qu'est-ce que je fais? Bientôt l'eau dans recette pompette. Oh non, la production a une épreuve où l'eau, tu dois enlever ton t-shirt et je dois toucher tes pecs. Oh non. Oh là là. Vite, bois de la vodka. Il est hyper bien l'eau. Oui. Ah putain. Non. Oh non. Mais voilà, tout le monde n'est pas
Je pense que je vais faire un photomontage pour la fin de cette vidéo de Koh-Lanta. Je vais taper black blanc dans Google Images. Et je risque de l'apprécier. Pronostic. Moi, je vote sur le départ de la blonde. On pensait à Julie ou Sophie, et c'est Myriam qui va prendre. Sophie. Ah. Moi, j'ai dit Sophie. Toi, t'as dit Myriam ? Moi, j'ai dit Sophie ou Myriam, je vais être surpris. Ah, il n'y a que son vote, en fait. Myriam. Il n'y a que son vote. Oh, mais c'est encore plus horrible. Parce que du coup, Sophie sait qu'elle a voté contre elle. Bah oui. Et allez manger votre merde. Prenez votre sac, allez manger votre merde. Bon, bah, on est sur une belle mise à l'air, Myriam. Hein. Et tirer vos câbles. Ah, le vote a été donné, vous n'êtes pas éliminé, Julie. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Libéré ! Délivré ! Il est gentil ? Parce que on filme et ce qu'il a dit, je peux pas l'utiliser. J'ai pas écouté. J'ai pas écouté ce qui s'est passé. Ce rêve bleu devant sa famille. Wow. Ouais, Julie, on est sur bien là. Ah, d'habitude, ils choisissent des mecs cons. Ils avaient jamais osé de la fille. Pourquoi tu dis qu'il y a des choses que je peux pas mettre? Ce soir, c'est Monsieur Poulpe langue de pute. Putain, j'ai vu l'autre jour là, j'ai vu un. Il courait. Ouais. Et en fait, il se dépassait, mais sur. Je suis très fier de mon parcours parce que je viens d'un milieu très modeste où financièrement on avait de grosses difficultés. J'ai connu l'eau chaude à l'âge de 16 ans. Et c'est ce qui fait aussi que dans la vie, je me bats tous les jours. Je ne veux pas faire vivre cette situation à mes enfants. Le travail. Il n'y a que ça de vrai pour réussir. Et débrouillage. Mais ça, je vais le mettre. Ah non. Attention. C'est un Mac petit. Donc là, ils sont en train de fabriquer la baraque au Obama. Le pire, c'est que je peux la mettre, cette blague. Hey. Et si tu m'aimes, clique là. Clique là si tu aimes. Tu peux même cliquer plusieurs fois. Oh. 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 Oh, mais t'es une fille. Ah non. Pourtant, que la montagne est belle.